Nacelle sur un poteau, et puis on te suspend comme un drapeau à l'air comme ça, et puis on te déshabille. Il y a des personnes qui viennent pour te frapper au niveau des pieds. On t'électrocute, on te laisse tomber par terre, tu es attaché, tu tombes comme ça. Tout le monde a peur. You've just heard the words of a man from Guinea who's been to hell and back. Last month, CNN broadcast footage showing a slave auction in Libya. It caused an international outcry. Our observer told us about his experience in Libya. He managed to escape and go home to Guinea. He wants to keep his identity secret. You might find some of these images distressing. Nous sommes arrivés à Ben Walida. On nous a enfermés dans une grande colonne. Ils nous ont vendus à un arabe. Après, il nous a transférés dans une prison. Ils nous ont obligés à faire des travaux, laver leur maison, juste pour qu'on puisse avoir à manger. Ils ne nous payaient pas ni rien. C'était un ami, on était ensemble là-bas. Il avait essayé de s'échapper une fois. Il n'a pas réussi. Lui, on l'a abattu à mort. Il a rendu l'âme auprès de moi. Le corps là est resté là-bas pendant 3 jours. Il nous a demandé de jeter le cadavre là où on jette les ordures. Quand je suis rentré ce jour-là, je n'ai pas fermé l'œil. La première fois, quand ils m'ont donné l'appareil pour appeler à mes parents, ils avaient l'arme sur ma tête. D'autres ont péri là-bas, ceux qui n'avaient pas de parents pour envoyer de l'argent. Mais mes parents ont réussi à mobiliser l'argent ici pour envoyer ça là-bas. Quand tu es en train de parler avec ta famille, ils te frappent avec le fer. Ils te frappent, ils prennent le fusil, ils tirent à l'air pour que tes parents vont entendre les cris là. Puis on vous électrocute encore. Une fois que tu pleures là-bas, tes parents vont s'inquiéter, ils vont crier. Retourner chez moi. Même moi, je ne voulais pas me retourner dans mon pays. C'est les parents qui m'ont obligé. Ils disaient toujours, moi, je ne vais jamais me retourner parce que je sais ce que j'ai laissé derrière moi. La situation de la famille, la misère qui se trouve ici. Moi, je rêve de poursuivre mes études là-bas. Il y a d'autres personnes là-bas qui veulent rentrer chez eux, mais ils n'ont pas la solution pour se retourner. Ils n'ont pas d'argent, ni rien, ni de contact qui peut les aider à rentrer chez eux. Ils sont là-bas malgré eux. You can find Ousmane's full story on our website, observers.france24.com.